Bonjour à tous, ici Walvor. Je suis malheureusement toujours en compagnie de Monsieur Écureuil. Comment vas-tu? Bah bien, malgré tes insultes, mais bon, c'est pas grave. Bah aujourd'hui, nous sommes tristes parce que nous commentons une famille et qu'il ne devrait pas exister. Nous parlons bien sûr de la famille Stark. Famille éradiquée, s'il en est. Bon. On Eh est vraiment obligé de ben, commencer? ouais. Bon, on commence On gentiment y va. avec Arya Stark. 2 de force pour 3 en pouvoir uniquement. C'est une lady, pas loyale. Elle est C'est... furtive. Attends, juste, je te coupe. C'est une lady. Oui. Ah, pardon. Bah, respecte-la un petit peu. Oh, Arya, ne le prends pas pour toi. Bref, vas-y. Donc, tant qu'elle a un doublon, elle gagne une icône militaire. Et ses réactions, c'est quand elle entre en jeu, vous prenez la carte du dessus de deck, vous la mettez face cachée en dessous, elle, et ça devient un doublon. Alors, c'est assez intéressant. Le gros problème, c'est qu'au setup, elle n'est pas spécialement intéressante. Parce que vous voulez pas la mettre sans doublon, c'est un peu dommage. Maintenant, ça reste une excellente carte quand même. Pour 3, 2 icônes furtifs, avec un Avec doublon un gratos, doublon, c'est génialissime. Ouais. ça se pose là quand même. C'est surtout un furtif pour 3, c'est toujours très intéressant en plus quand il est beacon. Ouais, une excellente carte. Qui a quand même un défaut notable du setup, mais en dehors de Oui, ça. mais en dehors de ça, je pense qu'on la verra très souvent. Ah oui, clairement. Ouais. Oui, une Qui bonne n'est pas carte. loyal aussi, hein. On le précise. Alors, la suivante. Bran Stark pour 2-1 de force en pouvoir, Lord non loyal, et en interruption, quand les effets d'un événement devraient être initiés, vous pouvez le sacrifier pour annuler ces effets. Bon, c'est très bien pour 2, Ah hein, bah petit cancel oui. d'event, comme ça a quand même une icône qui donc il peut quand même faire des défis. C'est un Lord, non, il n'y a rien à... Très Ah, très bonne c'est carte, hein. pas acheté, hein, clairement. C'est un argument phare pour les Stark, c'est celui-là. Hein. C'est excellentissime, une espèce de main du roi. Non, jugement de la main, c'est ça? Jugement de la main, oui. Donc en mieux. Bah, c'est fort, hein, pas de doute. Alors, la carte suivante. Catelyn Stark. Alors, Catelyn Stark. Donc pour 4, une lady intrigue pouvoir. Qui dit que tant qu'elle est dans un défi, l'adversaire ne peut pas déclencher de capacité déclenchée. Forcément, c'est intéressant. C'est très très bien ça, hein. Pour un 5, 4 de force en pouvoir et en intrigue, qui en plus a l'effet donc pour les ceux qui jouaient déjà à la V1 de Brienne. C'est intéressant. Alors maintenant. À noter aussi que c'est leur seule icône intrigue avec Sansa. Ah oui? Oui, c'est vrai. Ouais. Ça c'est plus ça le défaut, faut être honnête, c'est pas. Je sais pas si ça sera si joué que ça, parce qu'elle est quand même loyale, donc ça implique de jouer Stark malheureusement. À En l'avenir, je mêlée pense c'est que. sûr fort, Ouais. mais juste avec la V1, je sais pas si elle justifie son x2 ou x3 non plus Juste avec le d'entrée. corset, je pense qu'en foin, déjà tu l'avais. En fait, je pense que tu la verras s'il y en a qui jouent Stark en full type parce que c'est un des rares icônes intrigue. Quand Oui. même, elle a quand même un effet fort. Mais je pense qu'à l'avenir, on la verra jouer. Hein. Ouais. Enfin, je vois aucune raison de pas la jouer. C'est une carte qui sera beaucoup plus forte dans l'avenir, je pense, Ouais, oui. voilà. C'est sûr. En l'état, ça reste une bonne carte, hein, c'est pas le souci, mais. Alors, la suivante, Eddard Stark. Pour 7, 5 de force en militaire pouvoir. Pas loyal. Donc en féauté, c'est dommage. Lord, mais ça veut aussi dire qu'on peut le jouer dans d'autres familles, en banneret. Donc il a renom, et en réaction, dès que votre adversaire déclare un défi contre vous, il se redresse. Évidemment, on pense tout de suite à le jouer avec Petit Oiseau pour lui fournir une icône intrigue et puis qu'il puisse faire trois défis, qu'il prenne pas de l'arme de lys. Là, en l'état, il est fort, mais je le trouve un petit peu cher quand même pour ce qu'il fait. Il lui manque un petit furtivité. Ouais. Bah, disons que je trouve que pour 7, en n'étant pas loyal, il est un petit peu cher, quoi. C'est vraiment son défaut principal, hein. Ouais, c'est Il 7 se qu'il faut réduit payer cash. pas. Et puis en fait, Ouais. ok, il se redresse à chaque fois, mais faut qu'il puisse participer au défi, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, en mêlée, il est extraordinaire, hein. Oui, ça, Clairement. avec Renon qui se redresse à chaque fois, là, Ouais. y a Voilà, en pas mêlée, c'est besoin d'un surcoté, dessin, hein. c'est. Par contre, en joute, c'est sympa, mais c'est pas extraordinaire quand même, hein. On a Je pense vu qu'il à y aura 7 d'autres aussi. Eddard qui seront plus forts dans l'avenir, clairement. En tout cas, j'espère pour les Stark. Alors,
Ouais, je te laisse présenter la suivante. C'est Vengri pour 5 d'or, 4 de force en militaire, donc loup-garou forcément, intimidant, pas d'attachement, action de défi, vous pouvez l'incliner pour choisir et tuer un personnage avec une force de 1 ou moins, 2 de force si vous contrôlez Robb Stark. C'est très très intéressant, enfin c'est très très bien, enfin moi j'aime bien. Ouais, c'est une super carte. Pour c'est 4 de force, enfin c'est ça coûte 5, mais bon c'est intimidant donc ça incline et en plus ça peut tuer, c'est au choix. Soit vous le faites participer à un défi, soit il y a vraiment un personnage, un pins qui vous gêne, qui... Un Maestre Kaelod, par exemple, quand vous Un avez Rob qui Mescalotte, passe, un ouais. Samwell, Ouais, c'est ça. Oui. Un dragon aussi, hein, ça tue Oui, un des... dragon. Ouais. C'est très polyvalent comme carte. C'est sympa. Après, encore une fois, c'est qu'une seule icône pour 5. Oui. Bon, Mais bon, c'est... c'est intimidant, ça c'est à pas oublier quand même. Ouais. C'est une bonne carte, mais c'est pas non plus la folie folie, hein. Non, non. Mais par exemple, contre du Martel, qui a pas d'icône intrigue, militaire. Oui, vous allez le manger tout cru, c'est le cas de le dire, oui. Alors ensuite, Robb Stark, pour 6, 5 de force en militaire pouvoir, loyal, lord, renom, et quand un personnage Stark que vous contrôlez est sacrifié ou tué, vous redressez tous les personnages que vous contrôlez, c'est limité à une fois par tour. Donc c'est pareil, c'est sympa, mais c'est pas non plus extraordinaire, quoi. C'est sympa. Heureusement qu'ils ont fait la distinction aussi de sacrifier, comme ça quand vous Ouais. sacrifiez votre propre Bran, enfin vous avez des moyens de le faire tout seul de votre côté. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il y ait un mort, parce que sinon... Des fois ça ne marche pas comme ça. Ouais. Bah, c'est loin d'être mauvais, hein, mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est surfort, Bah quoi. encore une fois, en mêlée, c'est super fort, quoi. Voilà, c'est ouais, c'est ça. En fait, les Le... Starks sont plus une famille de mêlée que de Ouais. joutes, hein, Bah globalement. entre Eddard, Robb, Rob. Catelyn, Sansa... Pff. Ouais. Ça fait beaucoup de cartes très bonnes en mêlée, quoi. En fait, c'est moins le cas, quoi. En parlant du loup, la fameuse Sansa. Donc, 2 de force pour 3 en intrigue pouvoir, Lady. Elle entre en jeu inclinée, et dès qu'elle se redresse, vous pouvez prendre un point sur votre maison, et c'est limité à une fois par tour. Et bah, c'est Heureusement. hyper, hyper fort, clairement. C'est l'argument phare pour prendre des points en Stark. Faut en jouer 3, de toute façon, en Stark, parce que déjà, elle fait de l'intrigue. C'est un bon argument. Et puis, ça permet quand même de prendre des points facilement, juste en défendant l'intrigue. Bah, vous allez prendre un point à la fin du tour. En garde de nuit, elle sera intéressante aussi, par exemple. Elle est pas loyale, ouais, tout à fait. C'est une carte super intéressante, je trouve. Et très Et puis très en... belle aussi, quand même, au niveau du Oui, design. élu. Ouais. Mais les cartes Stark, heureusement, elles sont pas très fortes, mais les élus sont plutôt belles. C'est ça, on fait comme on peut. Alors, par contre, Sansa, elle est vraiment forte, hein. Je trouve que Oui. c'est Mais... quasiment une de leurs meilleures cartes, hein, vraiment. Et puis aussi en mêlée, hein. Et en Parce qu'en mêlée, mêlée, un point prendre un point gratos comme comme ça... ça, enfin, ouais. On jouait bien les... Comment ça s'appelait? Recrue... Orpheline, Ouais, enfin bref, on s'en fout. ouais. Allez, on C'est enchaîne. fini la V1, mec. Ouais, voilà, on oublie. Allez. Été, donc pour 3 d'or, 3 de force en militaire, loup-garou, pas d'attachement. Si vous contrôlez Bran, c'est Bran qui gagne Insight, on est d'accord, hein? Oui, c'est I et pas hit, Ouais. donc oui, c'est. Voilà. Réaction, après que Été entre en jeu, vous pouvez renvoyer un personnage avec une force imprimée de 2 ou moins depuis votre défausse ou votre pile des morts dans votre main. Ça combat très très bien avec Bran. Au hasard, ouais, c'est ça. Étonnamment. Ouais. Ou avec Sansa aussi, si jamais. Ouais, ou Arya, hein, Ou ça marche Arya, aussi. enfin avec toutes les Ouais. enfants de la famille Stark. C'est une espèce de pioche indirecte, quand même. Oui, et puis en plus ça file de la pioche. Ça coûte que 3, contrairement à donc à Vengri qui coûtait 5 pour juste une mono-icône. Là, c'est déjà un peu moins cher pour payer son mono-icône. Ouais. Ça, c'est une carte qui risque d'être énormément jouée en Stark, au Ouais. moins en 1. Et puis encore une fois, l'illu est très belle. L'élu est magnifique. Après, encore une fois, pas d'intrigue, Non qu'une mais seule icône, c'est bon. tu vas pas refiler intrigue ou pouvoir à un loup-garou. Bah oui, mais bon. À un moment Pouvoir, donné, il faut pourquoi bien que la pas? maison puisse gagner un autre défi que le militaire. Hein. Mais Y a bon. pas qu'un défi dans le jeu? Non, alors, ils ont du Bon, mal avec ça, les Stark. Ouais, Regarde, y en a qu'un, y a qu'un icône ah, dans le jeu. regarde-moi ça, tellement fort. Alors, un petit loup-garou, pimpin, un tout petit loup. Oh, c'est mignon. Pour 2, 1 de force en militaire uniquement, pas d'attachement. Et il gagne plus 1 de force pour chaque autre loup-garou en jeu que vous contrôlez. Mouais. C'est du pimpin, quoi. Voilà. On a déjà vu mieux tout à l'heure et on avait le pimpin Martel. Là, il y a ce pimpin-là, c'est clairement, je trouve, moins bien, mais... Après, le très loup-garou Voilà. pourra être intéressant. Mais bon, en dehors de ça, c'est de la merde. Hein. Pour 2, 1 de force, juste mono-icône. Et même si t'as 2 loups-garous, c'est une 3 de force pour 2, et les Targaryens ont la même chose de base. Bon. Ouais, Ouais. c'est dommage que ce soit chaque autre.
Parce que si déjà c'était juste pour chaque loup-garou que vous contrôlez, c'était pour deux, une de deux en militaire. Bon. C'était pas extraordinaire, mais C'était pas c'était pas trop. extraordinaire, mais déjà il avait deux de force, pas un misérable force. Donc à voir s'ils sortent des cartes dans l'avenir qui combattent bien avec le trait loup-garou. Là, en l'état, c'est très fébrile, hein, quand même. Très très fébrile. On va dire que la seule chose qu'il sauve, c'est qu'il y ait peu de cartes et qu'il ait un trait loup-garou. Ouais, c'est ça. Le suivant, ça c'est du pimpin classico-classique, Voilà. hein, Pour double deux de trait, force. Ustuli Knight, du bon pimpin, quoi. La carte suivante, Vanguard of the North. 4 de force pour 4 en militaire uniquement, c'est une armée non loyale, pas d'attachement. Et tant qu'un joueur a un complot guerre révélé, il ne s'incline pas pour attaquer dans un défi militaire. Mouais. C'est faible hein, quand même. Hein. C'est encore un mono-icône militaire qui compte sur le fait qu'il y a un plot war, donc il faut faire votre plotline en fonction de cette carte qui est faible. C'est ça. Et puis même, vous avez que 4 de force, c'est pas non plus la Oui. folie totale, hein. Enfin, Si juste encore pour pas c'était. s'incliner. Si encore c'était Beacon. Enfin, comme en V1, tu fais pour 4, 5 de force, Beacon, allez là. Voilà, c'est ça. Non, bah, c'est clairement pas terrible. J'irai pas jusqu'à dire que c'est de la merde, mais on en est pas loin quand même, hein. C'est la seule carte qui demande des plotfloors à Oui, en jouer. Hein. plus de ça, oui. Donc pour l'instant, faire une plotline rank pour cette carte, faut vraiment en vouloir. Qui est fébrile en plus, Hein. Ouais. oui. Oui, c'est pour ça, Et faut. pour gagner autre chose, quoi, je sais pas, Renon. Ou... Parce qu'en plus, elle s'incline en défense, donc si Oui, jamais voilà, ça pourrait vous être ne ne pas commencez s'incliner en pas, défense. bon. Ouais, non, c'est pas terrible. Donc Non, là, c'est. Pimpin classico-classique qui réduit ses forts. On l'aime Alors on bien. précise quand même qu'il a le trait Stuart, ce qui peut être intéressant dans l'avenir pour les gardes de nuit notamment. Tout à fait. Voilà. En dehors de ça, rien de spécial à dire. Hein. Et il a le trait allié aussi. Il a le trait allié, bon, ça on ne sait pas. La suivante, ah là par contre. Classe, attachement unique Stark loyal pour 3. Sur les personnages Stark uniquement, le personnage attaché gagne plus de force. Et en réaction, après que vous ayez gagné un défi militaire, de toute façon c'est le seul que vous allez gagner en Stark. Sur un malentendu en sur un plus. malentendu. Avec le personnage attaché participant, vous pouvez sacrifier glace pour choisir et tuer un personnage contrôlé par l'adversaire perdant. Puisque c'est traduit comme ça. Ça coûte cher, quand même. Voilà, je trouve pas ça cher. Moi, si tu compares à Ouais, c'est l'événement vrai. Put to the Sword qui coûte 2, lui il peut compter 2 Ouais, c'est vrai qu'il potentiellement en donne plus de FET. force Il donne aussi. plus 2 de force. Ça... Il n'y a pas de condition sur le Ça se fait que contre ça. difficilement par rapport à un événement. Je trouve que c'est le meilleur argument pour jouer Stark en fait. Parce que quand même tuer un personnage ciblé juste en gagnant un militaire, ça se fait quand même Ah oui, globalement. le personnage n'a pas besoin de participer en défense. Ah oui. Oui, non. Donc c'est vraiment très très fort. Après le problème majeur de cette carte, c'est que si on regarde les cibles sur lesquelles elle peut aller, et bah là c'est le drame. Vous avez le Pimpin 1-2, vous avez Rob, Eddard et Arya, c'est tout. Donc ça fait relativement peu de cibles. Et là, si vous en jouez 3 de chaque, ça fait 12. Donc déjà, vous n'en avez pas forcément, faut pas qu'elle se fasse gérer. Arya, si elle prend son lait de pavot, bah dommage, votre arme sert plus à rien. Enfin, c'est très très fort comme carte, mais c'est pas facile à placer. Pour Quelque l'instant. part, heureusement, parce que l'effet est quand même plutôt beuh. Mais c'est THE argument Stark, pour pas dire le seul d'ailleurs, en loot. La carte suivante. Les portes de Winterfell, un lieu non unique pour deux. Il est unique. En. Je dis quoi? Ah oui, non, unique. Oui, Hein. pardon. Oui, tout Non à mais je te fait. reprends parce que je vois Oui. que là il y a du laisser aller, ça va plus du Oh, tout. c'est les Stark, on s'en fout. Comment? Alors, pendant la phase de défi, vous pouvez incliner ce lieu pour régler la carte au-dessus de votre deck. Si c'est une carte Stark, vous la piochez. Et si c'est pas le cas, vous la remettez gentiment au-dessus de votre deck. Alors, déjà, qu'elle soit pas loyale, je ne comprends pas. Oui, puisque de toute façon tu vas la jouer que dans un deck loyal, puisque à moins que tu sois vraiment Ça. tu comptes sur la chance, quoi. Puis les portes de Winterfell, bon, a priori, c'est plutôt Stark. Mais bon, peu importe. La carte en soi implique de jouer quasiment féoté, hein, faut être honnête. Si vous en jouez trop de cartes neutres ou vous jouez en bannière, l'intérêt de cette carte est quasiment nul. Et même quand vous jouez féoté, vous avez, mettons, 3 chances sur 4 de piocher une carte. Ce qui est pas non plus considérable. Non. Et Mais vous la c'est la piochez en seule. phase de défi, quoi. Mais après, c'est la seule Ouais. pioche du Stark. Et ça coûte que 2 pour les setups, c'est pas si mauvais que ça, mais. Ah, c'est une carte qui sera jouée peut-être en quelques exemplaires dans les decks Stark à l'avenir, mais. Quand Bah, Stark ce si. sera jouable en joute en tout cas. Voilà, tant qu'ils ont rien de mieux, ça sera joué. Mais dès qu'ils auront une meilleure carte de pioche. Après, ça sera toujours joué en 1 ou 2, pourquoi pas? C'est pas non plus nullissime. Oui, non, c'est pas nulissime. Mais le seul. Ce qui est dommage, c'est que tu révèles la carte, quoi. Ouais.
Après, ça peut être un coup de bluff aussi, ça peut être, sur différents événements, ça peut être intéressant. Bon, une carte pas inintéressante, mais loin d'être génialissime, hein, clairement. Ouais. Alors, la suivante. Magnifique, le bois au loup, un lieu pour un unique, qui donne embouche à toutes vos cartes loup-garou dans votre main. Alors là, en l'état du corset, autant dire que ça ne sert à rien. Ah bon ? Donc vous avez 9 loups-garous en étant gentil, hein, parce que vous n'avez peut-être pas joué les 3 en x3. Sinon vous allez avoir un problème d'icône. Sinon vous allez avoir un ou deux problèmes. Je comprends pas pourquoi elle est sortie là, dans un corset. Ils auraient dû la sortir dans une deluxe avec des loups-garous ou autre. Oui, parce que là ça fait une carte morte. Hein, là c'est une carte morte. Hein, donc, Après, s'ils sortent vraiment d'autres loups-garous... Des attachements, notamment loup-garou, ça peut être intéressant. Ouais. Bah, il y en a un qui va sortir, hein. Ouais. Enfin, on verra plus tard. Mais c'est pas ça qui va justifier le lieu. Donc. Pour le moment, c'est clairement de la merde. Faudra voir ce qu'il y aura plus tard. Mais bon, pas grand chose de plus à dire. Hein. Voilà, bon, ça, c'est le lieu limité de la maison. C'est trop comme fort. Comme d'habitude, tout le monde l'a, sauf les gardes de nuit, pardon. Oui, précisons-le. Carte suivante. Pour l'honneur, vous pouvez jouer que pendant un défi militaire. Ça tombe bien, c'est leur spécialité. En action, vous choisissez un personnage Stark qui participe, vous lui donnez plus de force, et si vous gagnez, vous piochez une carte. Il se remplace pour donner un boost de force. Que dans un type de défi, pour zéro. C'est pas mauvais, mais... Bah, c'est un peu comme toutes les cartes Stark, quand tu... C'est pas mauvais, c'est pas super fort, c'est... Ouais. Plat. C'est très moyen, quand même. Je pense que ça a relativement peu d'avenir comme carte. Hein. Je vois pas pourquoi tu jouerais ça plutôt qu'autre chose... Bof, hein. Bof. Bah, ouais, je sais pas. Put to the sword. Ouais, éventuellement, ouais. Pourquoi pas. Alors, la suivante, je te la laisse, celle-ci, parce qu'elle est quand même bien. Like Warm Rain, en français, je sais plus ce que c'est la traduction. C'est un événement, point d'or non loyal, en réaction, après que vous ayez perdu un défi intrigue en étant le joueur défenseur. Vous pouvez incliner un garde de nuit, un loup-garou pour choisir et tuer un personnage attaquant limite une fois par défi. À savoir, chose importante maintenant, quand V2 vous faites les réactions avant la prise. C'est important puisque au moins comme ça vous pouvez jouer cette carte avant de vous la faire prendre à l'intrigue. Sinon ça rendrait une carte vraiment... vraiment moyenne, oui. C'est un effet buff... Mais le problème, c'est qu'il faut incliner un loup-garou, quoi. Alors, il y a deux problèmes. Déjà, le premier que tu mentionnes, c'est que c'est un loup-garou, donc c'est la seule carte qui justifie d'en jouer vraiment. Et le deuxième problème, c'est que vous êtes tellement mauvais en intrigue en Stark que, de toute façon, le mec va pas vous attaquer bêtement avec un gros personnage. Ouais, voilà. Il va attaquer avec un pince en intrigue, il va le gagner, et puis vous allez pas faire les Guamarines sur un pimpin. Ça, c'est le problème majeur. Dans l'avenir, s'ils ont plus d'intrigue, ou vous jouez Bannière, par exemple, où vous avez pas mal d'intrigue, là, ça peut être intéressant parce qu'il va être forcé peut-être d'attaquer avec un personnage plus fort pour gagner l'intrigue. Mais rien que le fait d'avoir des loups-garous avec un d'or, c'est assez dissuasif pour ne pas que votre adversaire attaque peut-être avec un gros personnage en intrigue. Donc je sais après, pas. Même tuer un pimpin, ça fait toujours un pimpin de moins à la clé militaire qui est votre défi principal. Oui, c'est peut toujours voir ça intéressant. Comme ça. Si vous voulez jouer très agressif, pourquoi pas, mais. Bon, c'est une carte qui a un gros potentiel, mais plutôt dans l'avenir, je dirais, une fois qu'il y aura plus d'intrigue et qu'il y aura peut-être plus de loups-garous intéressants. Là, en l'état, c'est pas mauvais, loin de là, mais c'est pas assez fort pour justifier de jouer des cartes mauvaises, en fait. On va dire ça comme ça. Tu veux pas jouer ton petit loup-garou, là ? Ouais, c'est clairement pas mauvais, hein, par contre. Mais... Bah, bon. De toute façon, choisir et tuer un personnage, enfin, c'est rarement mauvais. Hein. C'est clair. La carte suivante, Winter is Coming, pour 1 en loyal, donc potentiellement pour 0. Vous pouvez jouer que pendant un défi. Et jusqu'à la fin du défi en cours, vous augmentez de 1 la prise. Et c'est limité à 1, heureusement. Heureusement, non, là. Ah, je vais en jouer 3, je suis c'est fou. Ça. Bon, bah, c'est une bonne carte, hein, quand même, ça. Bah, pour 1, tu fais un. En gros, en militaire, pour 1, tu fais un mort en plus, tu défausses une carte en plus. Non, c'est très bien comme carte, hein. Ouais, ouais. Augmenter c'est... la clème, on a vu qu'en V2, les clèmes de 2 étaient très rares, donc... Ouais, enfin, tu as un clème de 3 en militaire. Voilà, en clème de 3. En surprise, en plus. Mm. Enfin, en surprise. Tu peux t'y attendre quand tu joues contre un Stark, mais je veux dire... Mais il faut en tenir compte, ouais, voilà. C'est ça. Et des fois, tu en tiens compte alors qu'il a pas la carte, du coup... C'est ça. Non, c'est mais très intéressant. C'est un gros potentiel, quand même, cette carte. Ouais. Mm. Faire des morts comme ça...
Enfin, je parle de voir, parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire en général. Oui. Ce qui est marrant, c'est que c'était une carte qui existait déjà en V1, mais qui n'était pas forcément très jouée. Alors que là, on voit qu'en V2, maintenant, ça a bien changé le rapport à la claim, quand même. Bah, le militaire fait beaucoup plus mal Ouais, qu'avant voilà. aussi. Une bonne carte, ouais, qui est un des rares aussi arguments pour jouer Stark, on va dire. En loyal, j'entends. Oui. Oui, parce que là, quand elle coûte 0. C'est ça, ouais. Bon, c'est... Que dire de cette famille? C'est très très fébrile, C'est moyen, quoi. globalement. Je pense qu'à C'est... l'avenir, il y aura Ouais. des trucs à faire, mais il leur manque quelque chose. Bah, il leur manque déjà de l'intrigue minimum. Ils ont Oui, pas de ils en ont pioche, pas un. d'intrigue, donc ils sont vidés leurs mains sans pouvoir en récupérer. Ils ont pas l'argument des Greyjoy de gagner rapidement. Parce qu'au moins ils sont vidés leurs mains, mais oui, s'ils gagnent tour 3, c'est pas très grave. Ils font même pas forcément une bonne bannière en plus. La bannière est pas tip-top. Y a quoi? Y a Eddard, Sansa, Bran, Arya, c'est pas des mauvaises cartes, mais bon, il y a peut-être mieux ailleurs, tout simplement. Bon, pas grand-chose à dire. Par contre, en mêlée, c'est clairement la meilleure famille, je Oui, pense, de là en loin. mêlée, c'est clairement une famille qui va Ouais. enfin tout gagner, je pense, hein, parce que Ouais, c'est... là, ils ont que des bonnes cartes en mêlée, de toute façon, c'est pas compliqué. avec une alliance Greyjoy, Ouais, ou un peu... Enfin, c'est très très fort, voilà, en mêlée. En joutes, je pense qu'il va falloir un bon moment avant de les voir, hein. En tout cas, dans les hauts du classement, parce qu'évidemment, vous pouvez jouer Stark en tournoi, c'est pas le problème, hein. Bah, je pense que Mais malheureusement, ce sera joué. faut pas s'attendre à faire un miracle avec des Stark, hein. Ouais, un peu dommage, mais bon. C'est comme ça. Hey, jeu de mots avec les loups-garous. Bien Ouais, joué. bon, bah, je vais te laisser là. Moi, je vais y aller, hein. Du coup, ça sera tout pour aujourd'hui. J'ai le soleil dans la gueule, c'est inadmissible. Le sud. On dirait le sud. Bah, c'est Non. le sud. On se retrouve la prochaine fois pour les Targaryens. On vous souhaite une bonne soirée. Et ça sera tout. Bisous, à la prochaine. Ciao. Shabada badabada.